Alors, on va parler aujourd'hui de ce qui n'est pas du tout notre habitude, comme les gens qui nous connaissent le savent, de l'actualité, mais de temps en temps, il faut en parler, parce qu'actuellement, la situation en Israël est exceptionnelle, puisque nous assistons à une attaque en règle de la part des médias et des forces politiques qui sont au pouvoir dans l'État d'Israël contre le monde haridi, le monde de la Torah. Et donc, il faut comprendre le sens de ces attaques d'un point de vue spirituel. C'est ça qui nous intéresse, pas de rentrer dans la polémique politique et politicienne, petite politicienne, mais d'essayer de comprendre spirituellement qu'est-ce que cela signifie aussi bien pour nous, pour les gens qui étudient la Torah à plein temps, ou pour les gens qui n'étudient pas à plein temps d'ailleurs, ou bien, et pour les gens, et qu'est-ce que ça signifie pour le non-pratiquant, qu'est-ce qui se passe en Israël. Alors, avant d'aborder la question métaphysique, spirituelle, de qu'est-ce qui se passe vraiment, il est important de replacer, de contextualiser le problème. Et il faut comprendre que pendant des décennies, il y a eu une sorte de volonté de se voiler les yeux, une sorte de politique de l'autruche, de ne pas accepter que le peuple juif idéologiquement est déchiré, que le peuple juif idéologiquement n'est pas en guerre, mais presque, et qu'il s'est passé une fracture énorme, il y a à peu près deux siècles et demi, où une partie du peuple juif, jusqu'à pendant des milliers d'années, le peuple juif articulait son identité, son être, son temps, son rythme du temps, sa légalité, sa législation autour de la Torah. Autour de la Torah et du Talmud, autour de la Torah qui comprend la Torah écrite, le Talmud et le Shulchan Aruch qui est le code, on va dire, le code civil, le code moral et le code de la Torah. Et donc, tant que l'identité d'Israël s'articulait autour d'une même référence spirituelle qui est la Torah, il n'y avait pas de problème, il y avait des problèmes individuels. C'est-à-dire quelqu'un pouvait plus ou moins s'approcher de la réalisation totale des mitzvot ou devenir plus tzadik ou plus racha, plus pieux ou moins pieux. C'était, en réalité, chacun se positionnait par rapport à l'absolu de la loi et c'était une affaire de conscience de chacun par rapport à Dieu. Et des fois, d'ailleurs, le tribunal terrestre, le Beit Din, se chargeait de remettre de l'ordre quand il y avait une infraction qui pouvait troubler l'ordre, la vérité de la Torah ou l'ordre public ou déséquilibrer l'équilibre de sainteté de Kedusha du peuple d'Israël. Tout ça allait très bien. Tout d'un coup, pour des raisons qu'on pourrait d'ailleurs expliquer très longuement, mais c'est pas le propos aujourd'hui, est apparu deux idéologies très fortement au XVIIIe siècle et surtout au XIXe, la Haskala et le sionisme laïque. La Haskala, d'ailleurs qui était très religieuse au début, Mendelssohn, qui est le premier des Maskil, en tous les cas l'un des premiers fondateurs historiquement de la Haskala, était très très religieux. Tous ses fils ses filles plutôt, se sont convertis au christianisme, l'un au protestantisme, l'autre au catholicisme, ils se sont tous assimilés, sauf un, qui a d'ailleurs eu comme fils Félix Mendelssohn, qui est le grand compositeur musicien. Mais bon, ça c'est pour la petite histoire, ça a été un échec cuisant d'un point de vue familial, puisque ça a été l'assimilation fulgurante de la famille Mendelssohn. Mais Mendelssohn, au début, était très religieux, et il a fait une sorte de déplacement en disant l'identité ultime du peuple juif, c'est la Torah, bien entendu, mais il y a d'autres approches identitaires. Le juif doit être aussi sensible à la culture mondiale, à l'esthétique mondiale, à l'esthétique universelle, à l'esthétique et à la culture des non-juifs allemandes, notamment, puisqu'il était allemand. Et ça, c'est un premier point. Et deuxième point, il faut que le peuple juif arrête d'être coupé du monde dans le ghetto et dans le shtetl. Il faut qu'il s'inscrive dans le concert des nations. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait une vie politique. Il faut qu'il participe à l'État, à la vie publique de l'État, à la vie publique de l'État allemand, en l'occurrence, à l'époque. Voilà les deux grands mouvements. Remontons à la Haskala. Il y a un troisième mouvement, on va dire ce mouvement de la Haskala. Si ce mouvement de la Haskala a eu pour conséquence une assimilation, puisque beaucoup de juifs très très vite n'ont pas fait comme Mendelssohn, que la Torah était quand même l'essentiel de son activité quotidienne et que la culture était périphérique, ils sont très très vite rentrés dans le monde bourgeois allemand et autrichien et sont devenus des gens plus ou moins plus religieux et dont la Torah n'était qu'une référence ethnique. On était allemand de confession israélite, français de confession israélite, et à la fin on arrivait à une acculture totale des référents Torah,
une intégration profonde de la culture non-juive. Il y a eu, c'est très connu, les frères Reinhardt, qui avaient été les deux premiers reçus au concours de normale supérieure, c'était à l'agrégation. Les deux premiers, c'était deux frères, c'était l'excellent, la famille excellente, c'était présenté en exemple dans le monde juif, c'est quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui, mais au 19e siècle, la réussite scolaire, la réussite sociale et économique du juif était vécue comme une excellence, comme une garantie d'intégration à la société non-juive. Ça, c'était un pan. Il y a un deuxième pan avec Herzl, où là, ils se sont dit, les gens, l'assimilation, ça ne marchera pas. Puisqu'on voit quand même Dreyfus, qui est arrivé, est un colonel dans l'armée française, un haut gradé dans l'armée française, est accusé injustement d'espionnage, et il a été dégradé, humilié en public, et la foule haineuse criait « sale juif, sale juif, sale juif ». Et quand Herzl, qui était un journaliste autrichien en France, à Paris à cette époque, a vu ça, il a dit « c'est la preuve éclatante qu'il n'y a pas d'assimilation possible, les non-juifs, on a beau être... plus allemand qu'un allemand, plus français qu'un français. On a beau connaître la culture française plus que les Français, ils ne voudront jamais de nous, ils nous haïront toujours. Donc il faut faire notre propre État pour nous couper, pour la solution juive. La solution juive passe par un État juif avec des catégories, des institutions étatiques qui permettent la survie et la vie et l'épanouissement du peuple juif. Donc on a ces deux grands mouvements historiques et idéologiques qui sont apparus au 18e, 19e siècle. Et 20e, et que dans le prolongement des théories, qui a abouti à deux grands phénomènes. Un, c'est l'assimilation galopante du peuple juif, suivie d'une acculturation totale, puisque à la veille de la guerre, en tous les cas en Europe occidentale et même en Europe orientale, même en Pologne, contrairement à ce qu'on croit, la majorité des juifs en Pologne n'étaient pas religieux, ils étaient communistes, et en tous les cas pas religieux, même ceux qui l'étaient, n'étaient pas vraiment beaucoup. Et il y en avait beaucoup de grands tzadikim, bien sûr, mais c'était pas comme les gens, comme l'image d'Épinal, tout le monde avec les papillotes, non. Non, 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 non. À Lublin, à Varsha, il y avait énormément de jeunes juifs qui n'étaient absolument pas pratiquants. Et dans l'Europe occidentale, encore plus, c'était très rare de voir un pratiquant, c'était pratiquement exceptionnel. Tout le monde ne respectait pas Shabbat. Donc on est arrivé à une catastrophe historique qui n'est peut-être jamais arrivée au peuple juif avant, ou peut-être dans l'Empire romain, c'est possible, certains historiens prétendent, mais ce n'est pas du tout prétendre, mais ce n'est pas prouvé. Et au contraire, d'après la Gemara, on voit que ce n'est pas comme ça. On est arrivé à une situation où carrément tout le peuple juif abandonner l'alliance, la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah. Une poignée de minorités l'a conservée. Et on est arrivé d'un autre côté à une autre volonté de créer que ce qui va protéger le peuple juif, que l'espace existentiel du peuple juif ne va plus être le ghetto et la Torah et l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, mais des instituts étatiques. Et ça s'est opéré. Ces deux phénomènes historiques ont eu lieu, puisqu'il y a eu une assimilation massive et l'État d'Israël a été créé en 1948 jusqu'à aujourd'hui. Alors, bien entendu, avec le renouveau et le retour, Baruch HaShem, du peuple juif à sa Torah et le renouveau des pratiques, il était absolument évident qu'on arriverait à un clash, puisqu'on a ici une double, pas simplement deux façons de penser, mais deux façons de penser radicalement. Qu'est-ce que c'est être juif? Qu'est-ce que c'est habiter la terre d'Israël? Qu'est-ce que c'est le rapport à la loi? Et tant qu'on ne comprendra pas ça, on ne comprendra rien, on tombera dans la discussion bête et méchante d'accusations réciproques qui n'a aucun intérêt. Et donc il faut comprendre que ces trois notions, qu'est-ce que c'est être juif? Comment habite-t-on la terre d'Israël? Et quel rapport a-t-on à la loi? Sont les trois axes fondamentaux du conflit, du problème, et tant qu'on n'a pas compris quelle est la différence et quel est l'enjeu, on n'a rien compris. Et donc on reprend. Pour la Torah, pour le monde de la Torah, le monde du juif authentique, le juif est une exception à l'être. Le juif a été créé par Dieu, Dieu a créé l'univers, et dans cet univers, il a créé un monde, le monde des nations, le monde de la nature, le monde des nations, qui s'articule autour, justement, d'une organisation et d'une exaltation du réel. Ça veut dire qu'un État, une nation, un peuple, est là, dans l'espace qui lui est donné, les Russes en Russie, les Français en France, les Français en France, etc., etc. Les Hindous en Inde, chacun doit, par rapport à la nature qui l'entoure, par rapport
au vin, au climat, par rapport à des milliers d'éléments objectifs naturels, être capable de transcender, de réorganiser cette nature, de l'humaniser et de lui donner, de transformer la nature en culture. Transformer l'organisation naturelle en organisation politique. Mais cette organisation politique tourne autour elle-même de concepts naturels qui sont l'État. On connaît les grands théoriciens des États, que ce soit Hobbes, Rousseau ou d'autres. L'État est là pour réguler la violence, pour empêcher l'état de nature qui ferait que les hommes s'entre-dévoreraient entre eux. Et donc, on délègue le pouvoir à un tiers qui est le roi, ou bien si c'est en démocratie, la représentation nationale, l'assemblée et le pouvoir exécutif, pour pouvoir organiser la vie biologique, économique et culturelle d'un pays. À partir de là, il y a des règles. Il faut travailler, il faut produire, il faut travailler pour soi, pour sa famille et pour les autres, etc. Le juif, il n'obéit pas à cette logique. Le juif est là pour faire résonner dans ce monde la parole ou la vérité d'avant le monde et ce qui va se passer après le monde. C'est les deux Naaseh v'Nishma, c'est les deux échos que le peuple juif porte en lui de dire la vérité absolue qui n'est pas le résultat d'une biologie ou d'une réalité réelle, qui n'est pas dans le réel, qui est plus vieux que le réel, qui fonde le réel. Le juif est là pour dévoiler au monde le secret de pourquoi il est là. Et le juif est là pour dévoiler au monde et à lui-même le secret de où va le monde. Le juif est là, porte la lumière de Dieu dans sa Torah et dans l'exercice des mitzvot et dans l'étude de la Torah pour dire au monde et pour dire surtout à eux-mêmes, mais pour instaurer au cœur même du monde un ordre autre que le monde, radicalement autre que le monde, dans une altérité différenciée, dans une rupture avec le monde, pour faire entendre quelque chose absolument de différent qui sauve le monde et qui, en dernière instance, dit le sens du monde lui-même. Et le monde, dans sa mécanique existentielle, est oublieux de sa propre origine et de sa propre finalité. Cette origine et cette finalité est portée, dite, exprimée, sublimée par le peuple juif à travers l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Ça, c'est la vision, on va dire, talmudique, judaïque, authentique, de ce que c'est un juif et de ce que c'est la Torah. Dans cet univers-là, bien entendu, que les gens travaillent. Dans cet univers-là, bien sûr que les gens ont besoin de vivre. Dans cet univers-là, dont les visages sont illuminés par l'intrusion violente et sublime de la vérité historique, de la vérité transcendante, qui dépasse le monde, qui dépasse même l'histoire, trans tout, si vous voulez. C'est la présence de Dieu sur terre. Mais il faut bien que l'homme se nourrisse, donc les gens travaillent, les gens aussi s'organisent dans l'espace juif collectif, il y avait aussi des comités qui organisaient la vie quotidienne, aussi bien individuelle que collective. On est d'accord. Mais ce qui est mis en exergue, ce qui est le fondement de l'existence, c'est la dvekout, l'intimité avec Dieu et sa vérité. Et l'organisation politique, l'organisation économique, est là que pour sociale, n'est là que pour que l'homme puisse vivre, et bien entendu que dans l'investissement matériel de l'existence se jouent aussi des enjeux moraux énormes. Donner à manger à celui qui a faim, c'est peut-être le message le plus important, etc., etc. Donc on peut effectivement être dans la matière, et cette matière elle-même être le reflet de la dernière instance du spirituel. Et tout ça, le peuple juif l'a intégré, l'a dit, et l'a enseigné au monde. Puisque le monde, le juif, c'est le monde c'est le peuple juif qui a enseigné le monde, l'éthique, la morale, la spiritualité première. C'est le peuple juif qui a enseigné au monde que nous ne sommes pas des êtres que de nature, mais qu'il y a quelque chose de supérieur dans l'homme qui palpite. C'est le peuple juif qui a enseigné au monde que l'homme excède toute chose, même ses manifestations spirituelles qui pourraient être de l'ordre de la nature, il y a quelque chose de plus. C'est le peuple juif qui l'a enseigné au monde. C'est la lumière même de la Torah. D'un autre côté, on a vu se développer une idéologie où on a essayé de normaliser le peuple juif, aussi bien à travers l'assimilation où le peuple juif s'assimilait aux nations, et aussi bien à travers une certaine forme de sionisme, c'est pas tous les sionistes qui étaient comme ça, mais une forme de sionisme laïque, où on a dit maintenant, il faut être comme les autres nations. Alors bien sûr, la Torah a resté une référence historique, culturelle, certains même sionistes sont très religieux, ça veut dire rester une foi, une émouna, et une référence spirituelle, mais elle ne devait pas induire un différentiel de comportement
dans l'organisation même de l'État, des structures socio-économiques et politiques du pays. Or ça, à un moment donné, on ne pouvait pas, c'était obligé qu'il y ait, à un moment donné, un clash. Et d'ailleurs, ce clash est assez extraordinaire, puisque maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous reproche? On reproche, les forces politiques qui ont pris le pouvoir en Israël aujourd'hui, reprochent au monde de la Torah fondamentalement deux choses. Et là, il faut être très clair, ou plutôt fondamentalement une chose. Il faut être très clair que là, pour comprendre ce qui se passe, il faut tomber dans la notion de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Une chose qui va se décliner sur les trois choses dont j'ai parlé au début, le rapport à la terre, comment habiter, le rapport à la loi, qu'est-ce que c'est être juif. Mais c'est une chose, et on va voir que cette chose qui est reprochée, et ces trois questions sont infiniment liées, et pour ça qu'il y a un langage de sourd, un discours de sourd, parce que les gens ne se comprennent pas. Et on va essayer, nous, aujourd'hui, d'essayer simplement de... Au moins, chacun après pense ce qu'il veut, c'est pas le problème, de faire comprendre. Donc, il y a, à un moment donné, il s'est passé un phénomène qui s'était peut-être jamais passé dans l'histoire, c'est que des juifs ont pris le rôle, kébiéchol, de non-juifs. Le peuple juif a toujours été en exil, et il s'est toujours différencié. Il a imposé une distanciation, il faut l'avouer, mais pas du tout méprisante, ni même haineuse, Dieu préserve. Au contraire, le peuple juif, quand il fait une misote, c'est pour le monde entier, pour les goïms entiers. Mais il fallait aussi se séparer pour ne pas être happé par le pouvoir séducteur de l'histoire qui nous aurait complètement détruits, comme des milliers de peuples qui se sont fait happer et détruits par l'histoire. Donc il fallait organiser, orchestrer une stratégie de différenciation et de séparation respectueuse, pour permettre au peuple juif de continuer à exister dans sa singularité et dans son unicité. C'est ce qui s'est passé en Israël. Le monde de la Torah a créé une séparation avec le monde laïque, non-Torah, voulu, consciemment et inconsciemment, pour ne pas justement sombrer dans ce que moi j'appelle la décadence laïque d'Israël. C'est pour une décadence énorme, puisque quand on regarde aujourd'hui ce qu'était le peuple juif dans sa sublimité pendant des siècles, et qu'on regarde aujourd'hui l'Israël moyen, l'Israélien moyen même, c'est une catastrophe. On arrive à ce qu'on appelle, on a créé le beauf israélien, ça veut dire, on a créé une sorte de notion de quelqu'un qui est absolument égal, en tous les cas en surface, c'est vrai qu'en profondeur chaque juif est merveilleux et a un potentiel énorme, mais en surface, quelque chose où les gens tournent autour de regarder la télévision, tout métro, boulot, dodo... consommation du plus bas étage. Et donc il y a eu effectivement une coupure, une séparation pour garder la lumière, la hauteur, la grandeur, la parole divine, brûlante qu'est la Torah. Et c'est ça justement qui est reproché. Et on revoit des réflexes, je dis pas Dieu préserve que les juifs laïcs sont antisémites, il faut jamais dire ça parce qu'un juif n'est jamais antisémite, il ne peut pas être contre lui-même. Mais on voit une sorte de mida keneged mida énorme, mesure pour mesure. Ou de la même façon que on reproche au monde de la Torah, on va dire en tous les cas les anti-religieux les plus virulents, avec des propos très proches des propos antisémites, historiques, avérés historiquement pendant des siècles, portés par des non-juifs sur les juifs, un vice-ministre vient de le dire, les religieux sont des sangsues, sont des parasites, sont des gens qui ne travaillent pas, sont des gens qui sont sales, qui sont noirs, qui ne sont pas beaux. Bon, on retrouve dans la presse israélienne, une certaine presse israélienne et une certaine expression politique, les clichés antisémites qu'on trouvait en Europe pendant des siècles. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'on est dans le même phénomène, un phénomène où le juif se sépare pour garder sa hauteur et où le monde qui va comme il va, le monde de la nature, le monde de la normalité, voit dans cette étrangeté quelque chose qui le perturbe et donc qui l'attaque. Et en réalité, ce qu'on reproche au monde de la Torah, c'est le fait qu'ils soient séparés. Vous n'êtes pas comme nous, vous ne faites pas partie de l'État, vous ne nous êtes pas intégrés dans cet État. Mais bien sûr qu'on ne s'est pas intégré dans cet État, puisque cet État se définissait comme un État laïque, en tous les cas majoritairement laïque. Et ces trois questions sont les mêmes. Qu'est-ce qu'être juif? Est-ce qu'être juif, c'est d'être un peuple comme un autre, avec une référence toraïque comme à l'hindouisme comme religion, l'européen à le christianisme comme religion, enfin il n'y a pas longtemps, le Maghreb à l'islam comme religion, et nous on aurait le judaïsme comme religion, on serait
français de confession israélite, donc on serait israélien de confession israélite. Mais ça, c'est complètement, on va dire, référentiel lointain, c'est juste comme ça, je suis né comme ça. Ou bien être juif, c'est de considérer que fondamentalement, c'est l'être même du monde qui dépend de la vérité exprimée par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Première, grande. Et donc, vous comprenez à partir de ce moment-là qu'il va y avoir toutes sortes de discussions qui ont l'air des discussions de chapelle, qui s'appelle un converti, qui s'appelle un juif. Quelqu'un qui pense qu'être juif, c'est avant tout être en Israël, faire l'armée, et que qu'est-ce qu'on s'en fiche, c'est ça, et qu'une religion, c'est juste une référence parmi tant d'autres. Pourquoi ne pas considérer comme juif ce russe qui, effectivement, n'a pas une mère juive, mais qui est quand même sympathique, qui parle hébreu beaucoup mieux que ce juif français qui ne parle pas l'hébreu, il est juif, puisqu'il fait l'armée avec moi. Mais ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Si le juif religieux, il dit, mais ça n'a aucun rapport. Ici, c'est une vocation spirituelle d'être juif. Soit tu as réduit ça à une question complètement normative, sociale, étatique. Ça n'a aucun rapport. Encore une fois, confusion des concepts. Qu'est-ce que c'est habiter la terre d'Israël? Ça, c'est important, Yeshua Eretz Israël. Est-ce que c'est habiter la terre d'Israël comme n'importe quel peuple habiterait la terre d'Israël dans le terme de patriotisme, et que ça suffirait pour être un enfant de cette terre? Ou habiter être la terre d'Israël, c'est d'arriver à réaliser l'idéal de tout le genre humain, de faire resplendir ici sur terre dans l'organisation agricole, économique, industrielle, thoraïque, la Torah de Dieu, là aussi, même discussion. Et surtout, quel rapport à la loi? Très souvent, le laïc dit, mais c'est honteux, il y a un religieux ne reconnaît pas la loi d'Israël, il reconnaît que la loi de la Torah. Et très souvent, les religieux s'en excusent. Mais il ne faut pas s'en excuser. Si la loi de l'État d'Israël, ou une loi laïque, vient contredire la loi de la Torah, c'est évident que la loi de la Torah doit l'emporter. Puisque la loi de la Torah est la loi essentielle du peuple d'Israël. Et que la loi d'un État ne pourra jamais être plus forte que la loi dite par Dieu. À moins qu'on dise que ce n'est pas dit par Dieu, il faut être logique. Dites que ce n'est pas dit par Dieu, donc... Alors vous allez dire quoi? Un religieux qui croit que Dieu a parlé, a dit ça, tu vas lui dire, non, abandonne ce que Dieu dit pour écouter ce que les Chavrei Knesset ont dit. C'est ça. Est-ce que c'est logique de demander une chose pareille? C'est absolument pas logique. Et donc, on est ici maintenant, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. On est dans un rapport de Mida Kenegen Mida. Et c'est une sorte de cercle de... presque de farce comique, si ce n'est pas tragique, ça serait comique, où on a une sorte d'écho qui se répond sans s'écouter. On a un peuple, on a un pouvoir laïque qui dit des choses injustes et qui frise des fois le mépris sur un peuple, tout compte fait, une minorité d'hommes et de femmes qui, pour la plupart, sont merveilleux, ils veulent juste faire les mitzvot et écouter Dieu et arriver à élever leur famille dans ce que Dieu veut. C'est ça qu'ils veulent. Alors c'est vrai que je ne fais pas d'angélisme. Il y a dans le monde de la Torah toutes sortes de gens, il y a des gens pas bien, des gens bien, il y a de tout. Mais quand même, quand on voit de façon générale, de façon statistique, il y a quand même un nombre extraordinaire de gens qui sont là pour faire le bien. Et au lieu de reconnaître, on les accuse de toutes sortes de maux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les nations accusent l'État d'Israël de façon aussi injuste. Que les laïcs accusent les religieux. Il y aurait une sorte de mida kenegen, de mesure pour mesure. Alors c'est très intéressant de voir ça. Comment je dis ça? Alors, une des formes de l'antisémitisme mondial, c'est d'accuser Israël de tous les maux. Comment est-ce qu'ils le font? C'est très simple. Chaque fois qu'Israël fait la moindre petite bavure, c'est-à-dire chaque fois qu'un enfant palestinien reçoit une blessure, ça fait la une des journaux. Alors que quand on massacre au Darfour à coups de hache et qu'on viole et qu'on détruit des centaines de milliers d'individus, ça fait la sixième page du journal. Donc au bout d'un moment, quand on voit Israël toujours... imaginez, vous avez un immeuble avec des voisins, tout le monde est là, et qu'on parle, chaque fois qu'un voisin fait une bêtise, on parle de lui. Tout l'immeuble va dire que ses voisins sont insupportables. Mais il y a un autre voisin en bas qui tue les grands-mères à coups de hache, personne n'en parle. Mais ça ne changera rien, on pensera que celui qui fait un peu trop de bruit, c'est lui le grand problématique de l'immeuble. C'est ce qui se passe avec Israël. Dans la pièce, la presse mondiale traite le moindre faux pas de l'État d'Israël est tout de suite capté par des milliers de vecteurs médiatiques et c'est mis en première ligne. Donc on dit toujours Israël, c'est ceux qui font les problèmes. Ces juifs font toujours les problèmes. Et bien c'est exactement pareil ce qui se passe. Pour ceux qui le savent ou ne le savent pas, la presse israélienne traite le monde religieux exactement de la même façon que les nations traitent l'État d'Israël. Exactement de la même façon.
C'est-à-dire qu'on prend la moindre petite... des fois c'est affreux. Quand la norme avait craché, enfin je ne veux même pas raconter l'histoire, mais c'était affreux, c'était dégoûtant. Et nous, les Haridim ont été les premiers à le dénoncer, mais ça n'a jamais été répertorié dans, sur la presse, dans la presse. C'est-à-dire qu'il y a le même phénomène. Et c'est Mida, vous jouez avec la désinformation en ne montrant que les côtés négatifs quotidiennement et jamais en montrant les côtés positifs. Et bien la presse mondiale traite l'État hébreu de la même façon. C'est, moi ça me rassure parce que ça montre qu'il y a une sorte de fraternité. On est traités ensemble, on est ensemble quand même. Aux yeux du monde, on est ensemble. Aux yeux du monde, il n'y a pas de différence entre Haridim et pas Haridim, il y a des Juifs. Et donc, ça c'est le premier Mida qui est égal à Mida. Première mesure, mais il y a une deuxième mesure pour la mesure. La deuxième mesure, c'est qu'on... les non-religieux nous disent vous n'êtes pas avec nous. Alors, on devrait leur répondre, vous n'avez rien compris. L'étude de la Torah, celui qui étudie la Torah, il protège le peuple juif, c'est ce qu'a protégé le peuple juif pendant 3500 ans. C'est quand même une preuve, non? Alors les tanks, l'armée, c'est très bien, bien sûr, mais on sait très bien que ce qui protège à long terme le peuple juif, c'est la Torah. Ça, c'est la tradition d'Israël. Ça, c'est être juif. Ne pas croire à ça, c'est dire que ça, rien, plus rien ne vaut la peine. C'est vrai. Mais comment ça se fait que le non-pratiquant ne le sent pas, ça? Qu'il nous dit à nous, vous ne partagez pas le poids. Comment ça se fait? Quand même, ça, c'est une chose que nous, on doit se demander. Qu'un ministre des Finances israélien qui n'a même pas le bac, qui n'a pas fait l'armée, plutôt qu'il l'a fait dans des conditions de journaliste, il rentrait chez lui tous les jours, il faisait de la radio, donc il n'a rien, il n'a pas fait l'armée. Quelqu'un qui est en train d'imposer un programme économique destructeur en Israël, qui devrait être haï par la majorité des gens, est adoré pour la simple raison qu'il tape sur les religieux. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire qu'on a quand même, nous, un problème. C'est qu'en termes d'image de marque, on va dire que le monde religieux n'a pas réussi. Comment ça se fait? La réponse, elle est très simple. Là aussi, nous, on doit s'interroger, on doit se remettre en question. C'est que le monde de la Torah, à un moment donné, a très bien réussi, très bien grandi. C'est magnifique. Il y a des centaines de yeshivot, de kolélim, où ça étudie de façon magnifique. C'est magnifique. Mais à un moment donné, on a développé un monde, justement, épousant la tradition de la séparation, qui est indispensable. Mais les grands d'Israël sont toujours séparés pour mieux être avec les autres. Le Chofetz Chaim, il était parouche, il s'était séparé, mais il ne passait pas une heure pour ne pas prier pour le peuple juif. Il ne passait pas un moment où il n'était pas concerné par la tragédie et les souffrances du peuple juif. Et à un moment donné, le monde de la Torah a développé, au nom de la tradition, la séparation qui existe et qui est réelle, un sentiment, nous on existe, les autres, et on s'en fiche complètement d'eux. Et ça, Mida, Dieu nous le rappelle, Mida Kenegel Mida. Vous faites ça, et bien on va vous rappeler ce que vous faites, vous l'étude la Torah, ça ne concerne pas, nous va nous dire le non-religieux. Vous étudiez la Torah, quel rapport avec vous? Vous devez faire l'armée comme tout le monde, vous devez travailler comme tout le monde. Quel rapport avec moi ce que vous faites? Quel rapport avec moi? Et ça c'est un reproche terrible que nous on doit prendre. Ça oui, il faut l'écouter. Il faut dire, ils ont raison. Il faut absolument retrouver la dynamique toraïque elle-même qui dit que l'étude n'a de sens que si elle est étudiée à l'actif du tout le peuple juif et à l'actif de toute l'humanité. Celui qui étudie la Torah, il sauve le monde. Celui qui étudie la Torah, il donne un sens au monde. Et si on fait de la Torah une activité fonctionnaire, où chacun fait son petit savoir, se construit son petit patrimoine de connaissances, juste, on ne sait même plus pourquoi, parce que c'est ma vie, parce que mes parents m'ont élevé comme ça, on est à côté de la plaque, nous aussi. Et donc, c'est encore, c'est un deuxième mesure pour mesure. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est cette confrontation inévitable. Vous savez qu'il y a eu une sorte de triangle en Israël, le problème est le conflit israélo-palestinien, enfin israélo-arabe, on va dire, et le problème entre religieux et pas religieux, et la droite-gauche. C'est les trois. Or, très souvent, la droite-gauche a eu lieu, le débat a lieu, mais la guerre avec les Arabes et les conflits arabes existent, et ça a toujours occulté le problème religieux par religieux. Mais aujourd'hui, on est arrivé, heureusement, au moment où une véritable. Il faut que les frères se retrouvent et se regardent dans les yeux et se disent les choses. Il faut que les gens se disent les choses pour se retrouver et pour retrouver une harmonie. Il est indispensable, que le religieux soit capable de faire rayonner une Torah où il fait comprendre que cette Torah est la bienfaisance et la bénédiction pour tout le peuple juif. Il faut qu'on soit capable de le faire passer à nos frères non pratiquants. Et pour cela, ça passe aussi par une reconnaissance que le religieux se doit d'avoir.
Pour les gens, par exemple, qui vont à l'armée, c'est magnifique, ceux qui donnent leur vie et leur effort par l'armée, il faut une reconnaissance. Mais pour que, et si on donne cette reconnaissance, on dit que ces gens-là, ceux qui ne peuvent pas étudier, qui font l'armée, et que ces gens-là prennent le risque de mourir pour protéger des populations entières du peuple juif, et que ça, il faut le féliciter, il faut le, lui donner une valeur. Kavod, en hébreu, c'est le respect, ça veut dire poids. Lui donner son poids, son juste poids. Il y aura mise, mesure pour mesure, les gens donneront le juste poids infiniment plus supérieur. Je le dis, j'ai pas honte de le dire. Celui qui étudie la Torah participe de la défense d'Israël infiniment plus que celui qui fait l'armée. C'est la vérité absolue. Et ça, on peut le prouver, celui qui ne croit pas, eh bien, il trahit son être juif. Mais ça n'empêche pas que celui qui ne peut pas étudier, qui fait l'armée, il faut lui donner son poids, son honneur. Et dans ce cas-là, les gens comprendront en retour que celui qui étudie la Torah protège le peuple juif. Et donc c'est ce travail de passage qui devient absolument indispensable. Ce travail de connexion, d'écoute, de dialogue. Et après, il faudra arriver effectivement à la vraie discussion. Est-ce que ça a un sens d'avoir créé un État juif qui se détourne de son identité profonde, qui est toraïque, en essayant de créer une nouvelle identité israélienne? Est-ce que ça a un sens? Je pense que non. Et on peut le prouver. On peut en discuter en tous les cas. Est-ce que ça a un sens de créer à l'Echatrila, a priori, une identité qui va se bâtir sur ce qui va se passer plus tard? Il fallait mieux rester en Europe, et ça s'immédiait complètement dans ce cas-là. Quel intérêt? Ça fait que des problèmes. Ça fait que des guerres et des problèmes. Ça sert à quoi? Donc, il n'y a pas de substantialité juive à défendre parce qu'on est juif. On n'est pas une tribu. On est le peuple élu qui est le reflet de Dieu sur terre. Et ça, je suis sûr qu'on peut aussi le faire passer. Et il faut effectivement trouver des modalités du respect le plus scrupuleux de la halakha qui portent une poétique, une esthétique, une beauté qui donne envie et qui fait que les gens, tous les juifs, habitant en Israël et ailleurs, se retrouvent dans l'unité primordiale de la vérité toraïque qui est la lumière du monde hors les goïms et qu'elle soit avant tout, si Dieu veut, la lumière pour notre propre peuple. Amen.